Ah bah bravo, bravo! Moi, pendant que j'étais en train de prendre un rendez-vous chez le coiffeur et que c'est bon, j'ai un créneau pour le 14 septembre, qu'est-ce que j'apprends? À Montauban, il y a un sauna libertin qui a rouvert en douce depuis le 11 mai. Oh les gars! Alors je comprends qu'après 2 mois enfermés avec maman, t'es la chocolatine qui démange, mais on va attendre un petit peu, non? On a un masque et du gel. Oui, mais c'est pas le problème! Distanciation sociale, les 1 mètre. À moins de t'appeler Rocco Siffredi, je vois pas. Et comment ça se passe à l'entrée? Tout le monde a fait la queue? Voilà, rentrez par derrière. Et attention, pas plus de 10 dans Brigitte. Non mais c'est une soirée infirmière. Elles vont vous prendre la température. Attends, en quarantaine? Covid? Non, chlamydia. Ils sont chauds les Tarn-et-Garonnais. Et faut se préparer. L'épilation. T'as essayé de prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne? Ben moi, pendant 2 mois, j'ai eu l'impression de dormir à côté des Jackson 5. On peut quand même attendre 2 minutes avant de se covider les baloches avec la voisine. Sinon, Toulouse, sans les bars ni les restos, c'est triste. C'est un peu comme si t'allais au pas de la case, mais que pour visiter. On prend pas une petite cartouche en souvenir? Ah non, non, admire plutôt les bâtiments dégueulasses en béton devant les montagnes. Et puis, c'est pas demain qu'on pourra se refaire la bise, hein. En même temps, ça évitera les... Chez nous, c'est 4. Ah non, chez nous, c'est 3. En tout cas, moi, s'il y a reconfinement, direction Montauban. Parce que je voudrais échanger mes places pour pause guitare. À lundi!